Les gars, vous nous suivez tous, vous nous suivez. Vas-y, tu les suis, hein. Ouais, moi. Ouais, ça va, j'arrive à ramener... Qu'est-ce qu'il nous fait comme coup? Ils ont dit, pour lui faire confiance, tout ça, on voudrait qu'il nous sorte la voiture du Kumiko, je l'aurais dit. Par contre, te balader tout près de nous avec... Allez, où ta voiture? Tout ça, elle est toujours... J'ai une visée sur la... Attends, on tâchera d'être un peu plus discret. C'est pas le fond, mais attends. Le but, c'est pas de griller votre couverture. Vas-y, à droite, j'ai un message du chef de la police en disant qu'il avait reconnu l'un de vous. Ah, ils sont partis par là-bas. Ah ouais? Carrément. J'ai une visue encore sur les internautes. Ok, vas-y. Je suis dans la Z-Tornon. Venez, je suis dans la Z-Tornon. Putain, mais il va jusqu'où? Il va voir le Les Custom. On va où là? Robert, on va au Les Custom ou autre chose? Vas-y. Les Custom, ouais. On arrive au Les Custom, les gars. Ok. Channel switched. T'es Marwan, c'est le chef des keufs bourrés. Venez Chanel 1. Venez Chanel 1. Channel switched. Où est-ce que c'est pour celle-ci? Droite. Ah mais tu connais pas ta... Non, là je faisais plus gaffe parce qu'il y avait autour de moi que... Sortie de véhicule, on peut toucher un petit quelque chose. Bon, allez. Ouais, bien sûr, attends. Il y avait le dépanneur, mon gars, je l'ai fait toute frayeur. Salut les gars, on vient réparer. Il y a un policier sur place. Allez-y, c'est libre. Non, faites gaffe, ça sent un bruit. Non, t'inquiète, on a Robert avec nous. Venez les gars, c'est bon, on a acheté toute la police. Voilà. On arrive, on va voir. Venez au LS Custom. Rentrez tranquille, c'est Robert, il est avec nous. Patrick aussi, il est avec nous. Du coup, il y avait plus d'essence dans ma beauté. Mais je suis pas seul, mais Patrick, ouais, il m'a arrêté. Je te l'ai laissé là-bas. Je rentre dans le LS. Je vais te présenter du monde. Les gars, arrêtez de parler aux chose. Ouais, bien sûr, je vais te payer de mes propres gains, t'inquiète. Voilà, par contre, tu dis quoi, ça c'est mon véhicule. On arrête de parler sur TS, on part directement Wing. Oh les gars, je vais te présenter un peu le club. Je vais te présenter un peu le club. Ça, à chaque fois je te sors tes voitures, je sais que je me fais un petit bifton. C'est bon, je suis content. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Plaisir, un petit billet. Ouais. Attends, je vais te présenter, ouais. One, viens. Sortez des véhicules, les gars, je veux me présenter à Robert. Bon, Robert, je te présente un peu notre petit club, notre petit jeu d'amour. Je suis désolé pour ne pas t'avoir fait confiance. Vous faites quoi? T'inquiète, on est sur une opération là. T'inquiète, il est pas armé, ils sont pas armés. Bon, je vous explique. On attend les deux autres là derrière. Bon, j'explique à tout le monde là, vu qu'on est tous réunis. Nous, on est les membres de la famille. Il n'y a pas de chef, on est tous des frérots. Notre principale activation, principale activité, c'est de la weed. Là, on a conclu un arrangement avec Robert. On lui file 10% des revenus chaque run. C'est moi qui tiens les comptes. C'est à moi que vous devez donner l'argent. Et moi, je m'engage devant vous, devant lui, de lui donner ses 10% à chaque fois. Attends, si on a des... Ouais, Marwan, ouais, dis-moi. Tu m'as oublié à moi aussi. Je t'ai oublié? T'es qui? M'as oublié à moi. T'inquiète pas, ce sera divisé, ce sera dit. T'as oublié qu'il fallait donner 10% aux deux. Non, ouais, 10% aux deux, bien sûr. 10% qu'on partage. Voilà, ok, ça va, t'as compris. Ouais. Mais tous les gars ici... C'est un malin, hein. Ouais, c'est un malin, il comprend vite. Donc, ouais, nous tous... Coup, qu'est-ce qu'on y gagne? Nous tous, on va faire des runs, là, on va arracher des runs. On va rapporter un max de blé. Une protection, en quelque sorte, et la récupération de vos véhicules systématiques. Voilà. Et si vous voulez donner des primes en plus... Numéro de téléphone. C'est moi qui gère, j'ai le numéro de téléphone de Robert. Non, pas de numéro de téléphone. Et c'est moi le point de contact, les gars. Et le but, c'est ne leur parler surtout pas devant les flics. Parce qu'on veut surtout pas griller leur couverture. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était pas pro. On est allé au... Vous voulez continuer à faire tout votre cash? Vous êtes obligé d'écouter Marwan. Monsieur, avec le chef, bleu, là. Mais Marwan, c'est juste une plateforme. Ouais, moi, je suis le grand frère, on va dire. Je suis pas le chef, je suis clairement pas le chef. Il n'y a pas de chef à la famille. La familia. Donc on est tous clairs les gars, on est tous partants. Ouais. Viva la familia. Voilà, viva la familia. Donc à chaque round, vous me donnez 4800. Moi je fais un petit fichier là où je fais le calcul. Et à la fin de la round, je passe à Robert. Bien sûr, s'il continue à assurer notre protection. S'il n'y a plus de protection, il n'y a plus de bifton. Bah là, je pense que c'est une bonne preuve, t'as récupéré ta bagnole.
Ouais, maintenant ils vous font confiance parce qu'au début. Voilà, si jamais t'as un mec qui se fait arrêter ou quoi aux caisses, tu m'envoies un message et je vais voir ce que je vais faire. Et une fois que t'auras récupéré ton gars, il te dira si j'ai fait mon maximum ou pas. Ça marche. Et si tu as taffé beaucoup plus que le maximum, on pourra rajouter un petit bifton en plus. Ça fait toujours plaisir. Ah, voilà. Là tu m'intéresses. D'ailleurs, là déjà pour la voiture que vous avez ramenée, je vais vous payer de mon propre blé. Tout de suite. Attendez. Je sors mon argent. Je sors Mélias. Ah ouais, t'es blindé. Ouais, j'aime bien. Je paye Robert bien et l'autre. Sûr, monsieur Marwan. Oh, vous êtes en toll ? Il va falloir que vous fassiez profil bas, d'accord ? Un peu you. Parce que... Ouais, vous discret. Vous... Et changez vos itinéraires. Ils savent où vous êtes. Ouais, on va changer les peintures, tout ça. Enfin, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et surtout, voilà quoi. Changez les horaires. Évitez de... Par exemple, si vous allez... à la récolte, vous allez au traitement plus tard. Faites des tours autour. Essayez de regarder s'il n'y a pas des flics et tout ça. Plus tard, mais soyez plus observateurs. Mec, si tu leur dis d'y aller plus tard, nous, voilà votre petit billet, les gars. Le temps qu'ils perdent. Ah, ça marche. Ouais, bon. T'as raison, Robert. Les gars, on fait un petit convoi, on est prêts là. Mec en cuir. Non. C'est pas la voiture dans nous, ça. De la famille, ça de ta famille, là. Non, celui qui vient de rentrer dans le garage, je le connais pas. Ah ouais, mais c'est pas la voiture, genre tout Flavien et tout. Le mec en cuir, là, avec la veste en cuir, là, derrière. Lui, là. Ouais, il est avec nous, il est avec nous. Vous êtes où ? Je suis avec Pino. Voilà. Ok, si je vous dis là, il y a quoi ? Si je vous dis là. Voilà, le code, les gars. Si je vous dis là, vous dites tous la famille, il y a tous. Vous dites la famille. Ok, ben j'espère que vous allez bien répondre, parce que... Celui qui répondra pas ça, il... Voilà quoi, il ouais. Passer un sale cadavre. J'ai pas eu le temps de leur expliquer. Si l'un des deux vous arrête, le code c'est là, si tu réponds pas à la famille et t'embarques direct, je peux rien faire pour toi. Tu dois répondre la famille. C'est ça notre code. Comme ça, ils sauront qui appartient à la famille et qui n'appartient pas. Et vous le dites à personne le code, les mecs. Hein. Ouais, bien sûr, t'inquiète. C'est que pour la famille, hein, pas pour les autres. Bien sûr. Bon, allez, on va bouger là. On est dans la merde. Non, on fait rien, c'est un pique-nique. On fait rien, on est en train de monter des voitures là, on a des belles voitures, on se les monte, c'est tout quoi. Ouais, c'est une exposition underground. Jackie Tuning, c'est ça, Jackie Tuning. Ouais, Jackie Tuning. Bonjour, monsieur l'agent. Si vous êtes fan de tuning. Ah, venez pour l'exposition, monsieur. Mais ils ont pas eu le temps. Eh, monsieur Maxime, regardez ça, monsieur. Regardez la jante. C'est des putains de lourdes de jantes. 1 cm. Bon monsieur, je vais pas dire, mais je crois que certains véhicules ici ne sont pas homologués pour la route. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez c'est juste pas. C'est qu'on passait par là, monsieur, et voilà quoi. Comme celui-ci là. Je monte avec qui, les gars ? Je dois monter avec quelqu'un. Si, l'homologué, hein. Il y a les plaques et tout ça. Bon monsieur, on va vous demander de faire vos mouvements de voiture de tuning autre part, si ça vous dérange pas. Allez, on bouge les gars. Okay. Désolé pour le dérangement. Ok, monsieur l'agent. Les gars, on bouge tous. Okay. Non, c'est ne vous inquiétez pas. On va tous au cannabis, les gars. Tous. Juste, on va prendre la voiture. Alors, le plan, il vous plaît ou pas, les gars ? Ah putain, mais bien. 4000, c'est rien. En effet. Attends le convoi, attends, on fait un petit convoi. On fait un petit convoi, les gars. Je vais manger. Ok, bon app. Merci. Bon app. Bah, par contre, les gars, faut éviter de ramener trop de monde là, parce qu'il commence à y avoir beaucoup trop de monde. On va avoir tout le serveur, ça va devenir juste une guerre de flics contre nous. Mais c'est ça ce qu'on veut, nous, à un moment, ça va éclater. Ouais, mais pas tout le serveur, sinon ça va devenir chaud. Ouais, c'est vrai. Non, on est 8. Le maximum, je lui ai dit, c'est 8. Le maximum, c'est 8. Maximum, il y en a déjà qui étaient pas là avant et qui. Genre avant, rien qu'avant, on était déjà 8 ans. Du coup, moi, je vais faire du cuivre un petit peu. Je vais peut-être revenir tout à l'heure. Y'a personne au champ de 8, c'est normal. Si, on arrive. Moi, j'arrive personnellement. Je suis moi aussi, j'arrive. Je suis à la route. Il me reste 1 km. Ok, ça marche. Pipo, ouais. On est des cons là, on a toujours de la 8 sur nous, fallait juste aller la traiter.
Ah ouais, merde. Bah, c'est pas grave. De toute façon, je t'ai dit, je vais aller taper une petite sieste là, au champ de weed. Ah, ok. Et après, je reviens. On va aller écouler tout ça chez. Il y a une autre fiesta là, chez les enfants de riches là. Ah ouais, encore. Et puis je t'ai dit, il y a la daronne, il faut que je la gère, la daronne. Ah bah tu peux partager, hein. Ah mais t'inquiète, on va te partager, hein. Elle veut de l'action. Elle cherche de l'action, elle veut des armes d'action. Ah bah elle va en avoir. Je vous attends comme ça, on part en couple. Voilà, ouais, et la dernière fois, là, le keuf, il avait caché sa voiture dans la grange, là, cet enculé. Là. Ouais, il nous a fait tellement ken. Ah ouais. Putain, ah ouais. Il a caché sa voiture. Nous, on savait qu'il avait pas de voiture. Il a dit, comment ça, t'as pas de voiture, tout ça. Il a dit, non, il y a un pote qui m'a déposé. Et dès qu'on a tourné la tête, il nous a braqué. Ouais, et en fait, ouais, il était là, et on n'a pas arrêté de lui poser des questions. Et à un moment donné, on s'est retourné, et là, il nous a braqué, cet enculé, là. Non, mais il a bien joué. Il a bien joué, mais... On l'avait cramé quand même au début. Oh mais c'était genre à 2-3 heures non? C'était il y a une heure, même pas. On a fini qu'à infiltrer. En fait même moi je suis venu devant en voiture, je vous ai vu, je me suis cassé. Ouais, t'es passé direct toi. Bah t'as bien fait. J'ai tapé une pointe, tu vois, mais en vrai tu vois je me suis cassé, je me suis mis en haut de la montagne et quand je vous ai vu repartir en voiture de flic, bah je suis redescendu. Ouais, t'as eu raison. On était pas sur la radio. On était pas sur la radio. Direct, on vous dit, on se fait braquer, vous arrivez nous sortir direct. Par contre, tout à l'heure, tu les as bien semés, les keufs. Ils ont rien compris. J'ai eu ça, les gars. Ils vont te faire chier avec ça, mec. Casser les couilles. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le maire de la ville, là. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, ils y réfléchissent. Non, au pire, tu le sors pas, c'est tout. Ouais, mais je vais vider les balles. Dès que j'ai fini, là, je vais aller vider le bas. J'ai bientôt fini. Bon. Et mec, je vais me reposer un petit coup là, près du gros plan. Là, ici, je suis bien. Quoique, ouais, non, t'as raison, je vais aller à la grange. Ouais, la grange. Ouais, mais j'aime bien les pieds de weed. Ouais, tu vas faire tellement fonce dé. C'est bon, moi, je suis plein. Je suis plein. C'est moi qui tire, les gars. C'est moi qui tire. Okay. Voilà, mais... il me prend plus chier. Yassine, il est avec nous ou quoi? Ouais, je suis là, ouais. Ah, nice. C'est toi le pantalon noir? Ouais, c'est moi, ouais. Ça marche, je vois pas ton nom sur la carte. Ok, bah on est 4. Donc 4. J'en ai encore 4 à faire, c'est bon. 4, nous on. Eh, Paco, pense à te faire whitelister. Hein. Ouais, je lui ai dit, ouais. Ouais, il m'a expliqué Pino. Pipo, arrête de dire Pino là. Non, mais Pino. Faut que t'ailles dans le channel en attente de whitelist. Et moi, je te conseille pour aller plus vite, PM le Romain Sifakis là en cours de whitelist, je crois. Ouais, tu lis les règles. Okay. Lui ou Richard Antoine, là, je sais plus, les deux là. Romain, je crois que c'était lui que j'avais whitelist. Et il te pose juste 2-3 questions, c'est grave bidon. Ouais, c'est deux spions. Paco, tu viens ou pas? T'as fini? Il me reste deux. Ok, on attend pas quoi les gars, on attend pas quand. Vas-y, je vous dis à tout à l'heure les mecs. Vas-y, à tout à l'heure. Pas quoi, t'as pas de voiture? User disconnected from your channel. Arrive. Allez, on bouge les gars. S'il y a des flics, il y a Robert. Y'a tout le monde qui a fini les gars? C'est bon? Ouais, on va bouger. Attends. Excuse. Oh là là. C'est dur de parler et de conduire en même temps. C'est cher à réparer tout ça. Vous y êtes déjà là en vente, non? Ouais. Ouais. Ok. On
On garde les deux véhicules devant, deux derrière, comme ça on peut s'échapper de... à deux sorties quoi. Ok, Robert envoie la police à la récolte. Ça marche. Paco, tu donnes moi 4800. L'avion aussi. Ouais. C'est quoi ton idée? Je sais pas. Attends, je vais voir. Je suis 31, vous me payez 4000. Ok. Donc je note, on a 4. Tu vois. On a 4 personnes à 4800, c'est cool. Ok, j'ai reçu. Voilà, ça devrait être fait là. Ouais, moi c'est bon, j'ai donné déjà. J'en ai reçu 2. Quelqu'un n'a pas fait, mais bon. Moi je l'ai fait. Ça marche. Yacine, tu l'as fait? Non. Ouais. Non. Ah, Robert dit qu'il t'a envoyé un message, Marwan, est-ce que tu l'as lu? Ouais, j'ai un message important là. C'est à Marwan, c'est ça? Ouais, tu fais 31, c'est 31. Non, arrête. Wesh. Pas fait exprès, désolé. C'est bon, t'as reçu Marwan? Ouais. Et sinon, j'ai une petite question là. Toi, Yacine, là. Ça fait combien de temps que t'es dans la famille là? Ça fait pas longtemps, moi. Ah ouais, t'es un nouveau, toi. Ouais. Ça marche. Marwan, il dit que le message l'intéresse pas? Non, dis-lui. Demande si le message t'intéresse, Robert. Ouais, dis-lui que ça m'intéresse très fortement. Je vais revenir vers lui au plus vite. Ah, c'est très intéressant ce qu'il me dit là. Ah, c'est quoi son ID à lui? Ah, Robert. Ça marche. Attends, je vais contacter. J'ai fini moi. Moi aussi j'ai fini. On peut augmenter le volume in-game là? Non. Ouais, non. Ah merde. Dans 100. C'est 32 max je crois. Ouais, je suis au max, je vous en entends. Oups, pas très regarde bien dans le chat. Ouais. Flavien, tu vas me suivre? Ouais, je te rejoins de l'autre côté avec la bagnole. Ouais, j'attends de l'autre côté. Ok. Bah quoi, je t'explique, là je suis en train de parler in-game. Toi je te fais confiance, vu que je fais confiance à ton pote, toi t'as automatiquement ma confiance. On a une top dans le réseau. Je t'entends vraiment mal. Ah ouais? Marwan. Faut augmenter le son du jeu, là tu m'entends? T'es passé où? Viens, suis-moi Flavien. Ne descends pas, reste. On va monter en haut là. Paco? Bon, il a déco, je crois. Flavien, viens. Ouais, j'en ai. User in your channel timed out. Ouais, tu peux laisser la voiture. Tu peux laisser la voiture. On vous allume en fait. Ouais, il y a un petit coin sympa ici, on va parler. Ah, quand j'étais petit, je venais ici avec mon père. Oh, sympathique. Ouais. Bon, vous rangez vos armes, vous deux là. Vous rangez vos armes. Bon, je t'explique. On a une top dans le réseau. Et pour te vous dire, moi je pencherai directement par Yacine parce que nous on se connaît depuis un bon moment et toi, moi toi nouveau là, je sais que t'es une putain de top, je le sais.
Moi? Donc, t'as deux choix, t'as deux putains de choix. Soit tu avoues, tu laisserais la vie sauf, soit je te tire une putain de balle dans la gorge. Chose. Mais je te jure, c'est pas moi, gros. Je te jure, c'est pas moi, je te jure, j'ai rien fait. Écoute, nous avec Flavion et les autres, on se connaît depuis des années. Toi, tu viens d'arriver, on me dit qu'on a une top dans le réseau. Tu me prends vraiment pour un con là? Mais si tu veux, je peux partir. Non, pardon. Mais si tu veux, je peux partir. Hein. Je peux partir, non, il n'y a pas de partir. Tu dois avouer ton crime, après je te laisserai partir. Est-ce que t'es une putain de top, oui ou non? Non. Tu veux une putain de balle dans le genou, c'est ça? Tu veux une balle dans le genou? Je préfère dire la vérité et être honnête que il n'y a pas de être honnête, il n'y a que toi qui viens de rejoindre le réseau. Là. Oui, mais monsieur, écoutez, je préfère être honnête puis me manger une balle que de m'enfuir comme... Non, y a pas, écoute-moi très bien, Dans 5 minutes, je vais avoir la confirmation. Et si j'ai vraiment la confirmation que c'est toi, là, t'es mort. Okay. T'es mort pour de vrai. Donc je préfère que tu me dises la vérité. C'est pas moi. Flavien commence à fouiller, là. Regarde s'il a son badge. C'est pas moi. T'es sûr? Je te jure, c'est pas moi, je suis sûr, à 100%. Dis-moi ce que t'as trouvé, quelque chose dans ces poches là? Non, pas encore. Il a rien sur lui, mais ça veut pas dire qu'il est innocent. C'est pas moi, je te jure. Ça veut pas dire que c'est pas lui. Yacine. Il va plus le laisser. Écoute-moi très bien. Oui. Tu me dis que t'es une taube, je vais en tirer avantage. Je te laisserai la vie sauf, je te donnerai un petit bifton. Tu vas pas. Non, c'est pas moi, je te dis, non. Si t'es une putain de taube et que tu me le caches, là je vais voir Robert à la fin de tout de suite. Mais viens, on va le voir ensemble si tu veux. Vas-y, on va le voir ensemble, je te dis, c'est pas moi. Tu montes derrière avec. Tu montes avec Flavien, tu laisses ta voiture. Ah, ok. Ouais. Passe devant, là. Je te fais plus confiance, je te le dis tout de suite. La confiance, ça se gagne. Bah attends, alors attends, faut que je pousse ma voiture, elle est tout derrière. Je te prends tes moyens de communication au cas où. C'est jamais, si t'as une petite oreillette avec la police ou quoi. Tu montes avec Flavien, je t'ai dit. Tu prends pas ta voiture. Il s'échappe, suis-le.